Dieu Tout-Puissant, auteur de tout ce qui est parfait. Ce soir, nous te bénissons, nous te magnifions et nous t'exaltons. Amen. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois tous les honneurs. Parce que tu en es dit. Merci infiniment pour tout. Oh, tout est inconnu de toi. Tu prends seulement des hommes pour élaborer quelque chose. Et quand tu as du temps, tu fais que cela, oh, ça s'accomplit simplement. Amen. Et nous croyons que tu as du temps. Amen. Parce que c'est un événement que là en Égypte, j'avais dit de nous souvenir de cela. Amen. Et tu es venu pour accomplir cela. Amen. Alors nous croyons que tu es avec nous. Amen. Nous prions de nous disposer. Amen. Un seul mot de toi fait la différence. Amen. Alors permets que mon Dieu, l'homme soit carrément mis de côté. Amen. Et que Dieu parle. Amen. Amen. Que l'homme soit carrément mis de côté et que Dieu reçoive sa parole. Amen. Oui, il faut Dieu pour croire. Amen. Ce que Dieu dit. Amen. C'est pourquoi nous voulons, oh Dieu, nous abandonner simplement entre tes mains. Amen. Pour que tout ce qui n'est pas de nous soit carrément mis de côté. Amen. Et que oh, ce qui peut absorber puisse absorber. Amen. Seigneur Dieu, nous prions que le Saint-Esprit et les saints anges prennent leur position. Amen. Que tout esprit qui ne te glorifie pas soit brisé et renvoyé dans la Bible. Amen. Nous voulons, Seigneur, être simplement avec toi. Amen. Bénis ce moment, alors que nous introduisons cela, que le Saint-Esprit nous aide simplement. Alors que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous dis shalom. Je vous dis shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes heureux d'être ce soir dans la maison du Seigneur. Amen. 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 Quand je venais, je voyais l'embouteillage, je réfléchissais beaucoup. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons ce soir vous encourager. Parce que il ne faudrait pas que nous prenions le programme de Dieu comme de la routine. Amen. Hier, à Kumasi, nous avons reçu un très bon message adressé directement à l'Église. Amen. Voyez, adressé directement à l'Église. Et nous ne pouvons pas être dans la confusion. Peu importe ce que l'ennemi fait, nous ne pourrons jamais être dans la confusion. Et je crois que nous ne serons pas dans la confusion. Amen. Et nous ne le serons jamais non plus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Alors, je réfléchissais à tout cela. Et jusqu'à ce soir, même, je n'ai pas un message. Amen. 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 Alors, je m'avance en comptant sur lui. Amen.
Amen. Amen. Mais j'ai une petite pensée que je voudrais que on regarde en s'appuyant sur ce que nous avons vu hier. Amen. 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 Voyez, j'ai zappé un peu sur notre groupe. J'ai vu des postes. Amen. Et cela m'a fait voir également l'aspiration. Voyez, c'est que le cœur désire pendant ce moment ce que les gens veulent pendant ce moment. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voudrons voir Dieu faire des choses dans notre vie. Amen. 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 Et nous devons vraiment prendre conscience que nous ne sommes pas ici au hasard. Amen. Frère, c'est-à-dire, si ce déclic-là peut être fait à chaque niveau, cela va propulser quelque part. Amen. Et c'est la pensée qui m'animait durant la journée. Voyez, quand quelqu'un aspire à une liberté totale, c'est parce que cela est. Mais le problème, c'est la clé pour actionner la chose. Alléluia. C'est ça le problème. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et il y a un autre élément que nous touchons toujours. Et ce soir, je vais toucher. Nous laissons ce qui se passe autour de nous nous embrouiller. Amen. 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 Voyez, nous oublions que nous sommes dans les dettes de Satan. Amen. Amen, amen, amen. Dans la prière sacerdotale, le Seigneur a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Ils sont dans le monde. Alors ma prière, c'est garde-les du malin. Amen. 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 Nous évoluons dans l'Éden de Satan. Ça veut dire dans les ténèbres. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Amen. Comme nous voyons tout ce qui nous entoure, on ne sent pas que nous soyons dans les ténèbres. En réalité, nous sommes dans les ténèbres et ça devient de plus en plus épais. Amen. Quelqu'un qui est lucide, voyez, ne se comporterait pas comme un animal. Amen. Il faut être aveuglé. Il faut être dans le noir pour vivre comme une bête et faire des choses comme des bêtes. Amen. 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 On doit savoir que nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres de Satan. L'Éden de Satan, ce n'est pas la lumière. Amen. La sagesse de ce monde, ce n'est pas la lumière. Amen. L'éducation, ce n'est pas la lumière. Amen. La science, ce n'est pas la lumière. Amen. Nous sommes d'un autre système. Amen. Qui est le royaume de Dieu. Amen. C'est ça qui est la lumière. C'est ça qui est la parole. Amen. Amen. Et Dieu nous a fait venir ici. Si Dieu nous jette dans les ténèbres, c'est parce qu'il a confiance en nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.
le prêtre dit que juste avant l'aube, les ténèbres deviennent très épaisses. Mais c'est également pendant cette période que l'étoile du matin brille très fort. Amen. Et dit, vous, étoile du matin, brillez. Amen. 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 C'est notre commission. Amen. Amen. C'est notre commission. Ce soir, je voudrais éveiller ce qui est en nous. Amen. Amen. Comme c'est le début, voyez, éveillez cela. Ce qui est en nous. La paresse est un démon. Amen. On doit savoir ça. Amen. Pour ne pas les héberger. Amen. La négligence, c'est un démon. Amen. La tiédeur, c'est un démon. Amen. La lourdeur, c'est un démon. Amen. Tant qu'on ne verra pas des choses sous ce angle-là, on prendra cela comme un état normal. Alléluia. Lié à l'homme. Ce n'est pas normal. Amen. Là où tu sais, tu es tiède, je te vomis. Amen. C'est une condition spirituelle. Amen. Qui est suscitée par un esprit. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons tous la même responsabilité vis-à-vis du message qui nous est adressé. Amen. Le prédicateur, il a une responsabilité. Ça, c'est une délivrance totale. Le laïc a une responsabilité. Amen. 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 Chacun de nous, nous sommes des dons. Amen. Et nous avons des dons. Amen. Mais je pose la question. Est-ce que nous travaillons à faire épanouir le germe de vie qui est en nous? C'est un don. Amen. Quand Dieu est venu sous la forme de Jésus, il était un don. Amen. 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 Nous sommes aussi des dons. Amen. 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 Le fait d'apprécier le don enveloppé de Dieu. Nous sommes tous des dons enveloppés de Dieu. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. N'allons pas à Pâques comme mes frères Paoulé. Pas qui nous, c'est du blasphème. Amen. 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 À Pâques, qui était une fête sacrée, mais il y avait des gens aussi qui venaient de n'importe quoi. Dieu le bénisse. Amen. 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 Donc ne sois pas étonné de ce qui se passe. Amen. Amen. Voyez, le monde gouverné par son chef qui est Satan, son travail c'est de sacraliser ce qui est divin. Amen. C'est tourner en dérision le sacré. Amen. Il enveloppe cela par un esprit moderniste. Un esprit culturel. Amen. Et les gens entrent dedans. Et le monde religieux entre dedans. Amen. Voyez? Amen. Nous, si on ne fait pas attention, nous rentrons dedans. Amen.
Amen. Amen. C'est très sérieux. Nous devons prendre notre vie très, très au sérieux. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On commémore un événement. Pâques, c'est la fête du chrétien. Amen. Amen. Le prophète a prêché beaucoup de sermons sur Pâques. Amen. 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 Ce que on dirait le plus élevé, on a le lever du soleil, on a le saut de Pâques, etc. Amen. Amen. Comment entrons-nous dans ce processus? Comment nous y entrons, frère? C'est pourquoi ce soir, je vais baser sur la réflexion. J'ai déjà une petite pensée que je voudrais qu'on voie cela. Nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre dans notre vie et dans le ministère parce que on se prend au sérieux. Et on néglige ce que Dieu a mis dans nos mains. Amen. On néglige. On fait comme si Dieu est serré. Amen. 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 Dieu n'est pas serré dans la main de quelqu'un. Amen. Dieu peut t'arracher même avant le temps. Dieu peut tout faire. C'est pourquoi il a un autre aspect de Dieu qu'on appelle le Dieu souverain. Amen. Il est souverain dans tout ce qu'il fait. Amen. Et il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Amen. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Amen. Mais ça, mais Dieu fait ça, ça. Dieu ne va pas faire ça. Et puis, bim, ça arrive. Amen. Amen. Ça ne dérange pas son programme. Amen. Ça ne dérange pas son programme. Amen. Amen. C'est quoi? Parfois le frère dit, Dieu peut tout faire. Il peut faire même ce qui n'est pas écrit. Amen. Amen. Mais nous nous en tenons à ce qui est écrit. Mais ce n'est pas dit que Dieu, dans sa solution, ne peut pas tout faire. Il dit, quand on suit ce qui est écrit, on sait que c'est de la volonté de Dieu. Amen. Mais Dieu peut faire des choses que tu ne verras pas ça comme ça. Amen. Amen. Il dit, mais ce qui n'est pas écrit, Dieu va faire. Amen. Parce qu'il est souverain. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. 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 Donc, ne dormons pas. Amen. Sans moi, Dieu ne peut rien faire. Mais ce sans moi-là, il faut que tu saches ce que ça veut dire. Amen. Tu es dans quelle position? Et puis, Dieu ne peut rien faire sans toi. Amen. 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 Ne comprenons pas les choses de façon charnelle. Élevons-nous un peu maintenant. Amen. Élevons-nous un peu. Amen. Donc ceci, ça concerne moi-même. Amen. Ça concerne chacun de nous. Amen. Voyez, j'ai une citation d'un témoignage du 23-8h50. Pour voir combien le prophète
il a pris au sérieux son engagement, sa commission, le travail que Dieu lui a donné pour des milliers de personnes, pour toute une génération. Combien de fois il a pris cela au sérieux? Je vais lire une petite portion là, et puis on va s'interroger. Amen. Amen. C'est sur les éléments de la guérison, d'un témoignage. Il dit ceci: eh bien, quand vous recevez cela, quand vous recevrez, il parle des tissus sur lesquels il prie, et ça va développer. Et quand vous recevrez cela, vous avez un petit morceau de papier attaché, une petite photocopie des instructions sur la manière de procéder. Mais, alors, le ruban, j'ai personnellement prié dessus pour chacun d'eux. Des milliers et des milliers. Chaque fois que je rentre chez moi, je prends simplement de grands rouleaux, des centaines de yards. Yards, c'est à peu près un mètre. Ça vaut pas un mètre, c'est en anglais. C'est un peu moins d'un mètre. Voyez? C'est, nous, on mesure le truc avec le mètre, mais eux, c'est à yards. Yards, c'est un peu moins d'un mètre. Voyez? Amen. Amen. Des centaines de yards de ruban, je m'isole dans le bois ou quelque part. Je m'installe là et je prie et prie pour cela. Et je crois que s'il y a une seule chose que Dieu honore, c'est la sincérité. Oh, amen. Si vous êtes réellement sincère, c'est ce que l'ange m'avait dit. Amen. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne restera à ta prière. Amen. C'est cette réflexion qui m'avait frappé. Amen. Et j'ai dit, je prends ça comme introduction pour ce réveil. Le prophète a une commission. Dites-moi, est-ce que il n'a pas un don? Il n'a-t-il pas un don de faire des choses? Voyez, il y a un ange qui est constamment avec lui. Voyez, il y a un ange qui est constamment avec lui. Lui montrer des choses, lui donner des messages de la part de Dieu. Amen. 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 C'est pas de ça que je vais parler, mais un jour, je vais vous montrer la différence entre le Seigneur Jésus et l'ange. Parce que parfois les gens confondent. Amen. Voyez? Lui, il avait dit. Il dit, l'ange qui vient en moi, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Cet ange est venu à Gabriel et à Daniel. Cet ange est venu à, comment dirais-je, Paul. Voyez? Et là, j'étais constamment avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ce que l'ange m'a dit. Si tu es sincère dans tes prières, et si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, pas même le cancer. Amen. Il a reçu cela. Malgré le don qu'il a. Il dit, quand je rentre chez moi, je prends des centaines de ce rouleau. Vous voyez?
de tissu. Je vais quelque part. Parce qu'il a une mission. Il sait qu'il ne peut pas être à la fois partout. Mais il sait que les tissus iront partout. Amen. Il dit, je m'y sors quelque part. Et je prie et je prie. C'est-à-dire, il met tout son cœur. Amen. Il prie de toutes ses forces. Sur tous ses rouleaux. Il prie. Il dit, je m'y sors. Il prie. Pour que cette onction soit dedans. Pour que rien ne puisse résister à cela. Et quand il a fini de prier sur tout cela, il dit personnellement, je prie sur cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand il vient, alors cela est découpé en petits morceaux. Et des centaines de rouleaux. C'est découpé en petits morceaux. C'est mis dans un enveloppe avec une instruction. C'est-à-dire, cette instruction, c'est quoi? J'ai reçu ça aussi. Quand le pasteur a été à la station de vie, il en a pris un peu avec les instructions. C'est les heures de prière. C'est-à-dire, comment il faut l'appliquer. Et si tu crois le prophète, quand tu reçois, il faut épingler, il faut mettre et il faut prier constamment pendant ce moment-là. Il faut prier. Tu suis ça, peu importe ton état, tu seras guéri. Amen. Peu importe ton état. Donc ça peut les toucher, automatiquement ils sont guéris. Donc ils ont ça sur eux, quand même ça se flippe. Mais le résultat sera toujours là. Amen. Pourquoi? Parce que l'ange a prié pour ça. Mais si tu prends, c'est pas j'ai lu ça, parce que c'est l'exercice, la sincérité et la conséquence qui est derrière. C'est ça que je veux que nous voyons. Des frères et des sœurs ont des dons. On dit qu'on veut des dons. Il y a des gens qui ont des dons, de véritables dons qui sont là. Mais vous dormez, vous mangez seulement. D'autres dons du palais à l'âme, d'autres dons. Vous mangez seulement. Or, Brandy, ne laissez pas la lessive. Ne laissez pas le foyer. Ne laissez pas les affaires professionnelles. Ne laissez pas. Amen. Voyez? Le titre de mon message, c'est faire confiance à ce que dit les Écritures. Amen. Amen. Faire confiance à ce que dit les Écritures. Amen. Oh, j'ai laissé ma Bible dans mon sac. Quelqu'un me donne sa Bible. Amen. On va prendre, il faut que je lise. On va prendre dans Hébreux, chapitre 2, on va lire versets 1 à 4. Amen. Amen. Hébreux chapitre 2, 1 à 4.
C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Nous asseoir. Amen. 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 Voyez. Et à cela, je vais ajouter une citation. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Le paragraphe 4. Et je lis. C'est Branham qui parle. Et je veux que vous vous affermissiez maintenant dans la pour les suspensions. C'est cet oracle de Dieu. Amen. Un oracle, ce sont les paroles inspirées des prophètes. Amen. Dieu a parlé, et cela, les prophètes nous l'ont confirmé. Il dit, je veux que vous vous affermissez maintenant dans ces saints oracles de Dieu. Hein? Dans la foi. La foi de cette heure. Amen. Pas n'importe quelle foi. La foi de cette heure, c'est le message. Amen. 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 La foi de cette heure. La foi. Il faudra plus de foi qu'il n'y en a jamais eu dans tout autre âge. Amen. Car ceci doit être la foi pour l'enlèvement. Amen. Pour être enlevé au ciel. Amen. Et alors, nous voulons que vous croyiez ce soir à tout ce que vous avez vu. Amen. Et entendu. Amen. À la parole que vous avez entendu prêcher, aux signes et aux prodiges que vous avez vu s'accomplir. Nous voulons que vous emmagasiniez tout cela dans votre cœur. Amen. Et que vous réfléchissiez à savoir si oui ou non il s'agit de Dieu. Amen. La foi de l'enlèvement, ce n'est pas une petite chose. Il dit, je veux que vous affermissiez maintenant de la foi de cette heure. Et pour cela, il faut que ce que vous avez entendu, ce que vous entendez tous les jours, ce que vous avez vu, les miracles que Dieu opère dans votre vie, dans la vie des frères et des sœurs, tout ce que Dieu fait, ce que tu vois, des situations, Dieu te sort de là. Amen. Et puis, ça ne dit rien. C'est pourquoi les frères, même pour un témoignage, on va pour les poursuivre. Parce qu'ils ne prennent pas ça comme une œuvre surnaturelle. Il ne prépare pas ça comme l'action de Dieu pour provoquer quelque chose dans le cœur. Un sentiment encore plus sacré envers ce être. Il ne prend pas ces choses-là à cœur. Alors ça ne produira rien.
les 10 lépreux ont été tous guéris. 9 ont pris ça comme une simple guérison. Ils sont partis. Mais il y a un qui est retourné. Il sait que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Cela provient de quelqu'un. Et ce temps, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Amen. Parce que personne ne peut ôter la lèpre si c'est Dieu seul. Amen. Il est revenu. Il s'est prosterné. Il a rendu hommage à Dieu. Amen. Il a rendu les honneurs à Dieu. Amen. Il a considéré ce miracle de sa vie. Amen. Il ne s'est pas contenté d'une délivrance et puis faire ses affaires. D'une guérison, continuer à faire ses affaires. Mais il a considéré le devoir, le caractère sacré Amen. De celui qui a opéré cela. Amen. Et il est venu lui rendre hommage. Amen. Et cela a fait qu'il est sauvé. Ce n'est pas une simple guérison maintenant, mais ce tac-là a scellé à offrir quelque chose encore de plus pour lui. Amen. On dit qu'on est dans le message. On ne reconnaît pas la main de Dieu. Le païen, c'est pas Satan qui le délivre. C'est pas Satan qui le guérit. C'est pas Satan qui le bénit. Mais, quand il est dans ce tourbillon de mensonges, et il croit à ses fétiches, qu'il soit pour le torturer, quand il sort d'une affaire, automatiquement, il s'en va se consacrer davantage. Et il resserre encore sa foi dans ce démon. Il va rendre hommage à ce démon. Et il va faire la publicité de ce démon. Mais nous, ce que Dieu fait pour nous, c'est banal. Banal. Et ça n'ajoute pas quelque chose à notre adoration. Ça ne pousse pas. Amen. Ça ne pousse pas. Ça ne nous élève même pas. Amen. Or, toutes ces choses accumulées doivent produire une foi suprême. Alléluia. Amen. Ce que tu entends, c'est Abraham qui le dit. Amen. Il dit, il faut plus de foi parce que ce que tu veux, c'est l'enlèvement. Il dit, alors, voyez, il dit, et alors, nous voulons que vous croyiez ce soir. Amen. Parce qu'il faut plus de foi. Ben, c'est la foi de l'enlèvement. Et alors, nous voulons que vous croyiez ce soir à tout ce que vous avez vu. Mais non. Tout ce que vous avez vu. Tout ce que vous avez entendu et au signe et au prodige que vous avez vu s'accomplir, nous voulons que vous emmagasinez tout cela dans votre cœur. Amen. Ça produira quelque chose de surnaturel. Personne ici ne peut dire que Dieu n'a jamais fait de sa vie. Reste le frère. Oh, normalement, si Dieu t'a guéri d'un mal et qu'un autre vient, ça doit te pousser à aller vers Dieu. Amen. Celui qui a fait ça là, il fera ça. Amen. Amen. Si c'est dans le cœur. Amen. Amen. Si tu as entendu qu'il a fait ça, que tu l'as constaté. Amen. Mais ce frère, avec telle situation, il a prié Dieu. Et Dieu a répondu à ça. Amen. Et puis la même situation t'arrive. Si tu prends à cœur ce qu'il a dit, Amen. Et que ça, tu l'avais emmagasiné, ça te
mais très dans une situation Amen. Où tu iras devant Dieu. Amen. Seigneur, je sais que tu n'as pas changé. Amen. 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 C'est toi qui as fait ça. Amen. C'est toi qui as fait ça. Amen. Quand je me retrouve dans la même situation, Amen. Je sais que tu vas faire Amen. La même chose pour moi. Tu t'arrêtes là. Amen. Et Dieu verra. Amen. Pourquoi notre foi est toujours plate? On ne se divise pas dans la foi de l'heure. La foi de l'heure vient de ce qu'on entend du message de l'heure, des actions de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'un acte, un miracle, une guérison, c'est une expression de la parole. Amen. 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 C'est une écriture qui est manifestée. Amen. Amen. Et mon sujet, c'est quoi? Faire confiance à ce que dit les Écritures. Amen. En d'autres termes, ce que dit le message. Amen. Faisons confiance à ça. Amen. Alléluia. Amen. On parle de Pâques. On parle de Pâques. Amen. Amen. Mais est-ce que Jésus s'est levé comme ça pour aller à Pâques? Avant de poser un acte, il a regardé aux Écritures. Amen. Il a regardé ce qui était dit. Le concernant. Il a regardé tous les coins et recoins de ce que cela devait être pour lui. Il a regardé à ça. Abraham dit, Jésus a fait confiance aux Écritures. Amen. Or, quand on arrive dans Hébreu, ça a été annoncé. Et ça a été confirmé par les saints prophètes. Amen. 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 Un roi qu'on appelle David, qui connaît Dieu, qui aime chanter la louange de Dieu. Amen. Les gens pensaient qu'il composait ces cantiques-là comme s'il y avait les chanteurs comme ça, au hasard. Il ne sait pas qu'il était dans une dimension. Amen. Ce qu'il chantait, c'était les Écritures. Amen. 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 Ce qu'il chante sur les Écritures. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous chantez quelque chose qui vient de Dieu, Dieu approuve. Amen. 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 Je pense que pas tout le monde chante pour toi chanter. Amen. 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 Donc, on peut avoir l'écriture, mais sans onction. Alléluia. Amen. 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 Quand tu écoutes ces mélodies, ça ne porte pas la vie. Amen. Il faut l'onction de toi. Amen. 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 Yes. Amen. 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 Et même dans le message, Amen. C'est pas tout le cantique. Amen. Parce que chaque cantique véhicule une doctrine. Amen. Donc, n'est pas un cantique message. Non. Ce sont des doctrines sur les onctions. Amen. 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 Il faut prendre toute la parole qui a été dite, examinée. Pour voir si tu peux prendre ça. Amen. Sinon, on ne prend pas. Amen. Amen. Ce qui est populaire n'est pas forcément vrai. Amen. Amen. Et dans le bazar, beaucoup de pratiques qui sont hors jeu. Amen. 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 Ils ont l'onction pour ça. Mais ce n'est pas l'onction que nous cherchons. Yes, sir. Nous, on veut l'onction de l'aigle. Amen. Amen.
qui te met très loin de la hauteur et qui te fait voir exactement ce que les gens veulent dire. Amen. Et quand tu prends un cantique qui n'est pas à propos, ça te oint. C'est clair. Et tu finiras, si tu n'es pas équilibré, à épouser ses idées. Amen. Donc faisons attention. David, quand il chante, je pense que parce qu'il est roi, parce qu'il est à l'aise d'être chanté. Mais il a fait de glorifier Dieu. Amen. Et quand on prend l'écriture, c'était une chanson de David. Ce n'est pas un enseignement de David. C'était une composition de David. Amen. Il chantait. Amen. 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 David n'est pas un enseignant. C'est un compositeur. Amen. Je ne permettrai pas que mon oint voit la corruption. Tu veux lire ça? Psaume 16, 10. Le titre dit quoi? Il est David. Le titre dit quoi? Hymne David. Hymne David. Hein? Hymne David. Amen. Amen. Yeah. Amen. C'est une chanson. Yes, sir. Amen. 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 Alors, Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Amen. Alléluia. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Amen. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Amen. 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 Sous inspiration, David chantait. Déjà parce que, c'est-à-dire, les gens ne faisaient pas attention à ça. Mais c'est une composition venant de Dieu. Amen. 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 Il était sous l'inspiration. Et son âme s'adressait. Alléluia. Voyez. À celui qui l'a fait. Amen. 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 Or, c'était par représentation. Alléluia. Amen. C'est le Christ qui s'exprimait dans cette chanson. Amen. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. 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 Lui qui est le Dieu de tout l'univers, qui a fait l'homme, qui a fait tout ce qui existe, amen, il sait exactement ce que ça veut dire. Amen. Il a placé ça dans la bouche de David. Israël chantait ça. Comme on chante des cantiques, mais on ne rentre pas dans l'esprit. Tous ces cantiques, on ne les chante pas. On ne vient pas seulement pour danser. On ne vient pas seulement pour faire la mélodie. Mais on vient spirituellement pour donner des louanges à Dieu. Pour exprimer notre amour pour Dieu. Pour exprimer notre reconnaissance pour Dieu. Pour exprimer tout ce qu'il a fait, amen, sa miséricorde, sa bonté, sa grâce. Amen. Quand un cantique est entonné ici, amen, l'esprit se saisira de quelqu'un. Amen. 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 C'est pas que ce savoir chanter, amen, mais chanter à propos. Amen. 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 C'est une vie d'adoration. Amen. 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 Une vie de consécration. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Voyez. Alléluia. Amen. David louait le Seigneur. Amen. De telle sorte que Dieu
s'empare de ta vie. Oh Dieu. Pour exprimer ses bontés. Amen. Exprimer son plan. Exprimer son programme. Amen. À la race d'Abraham. Amen. Donc, en le chantant, on rendait cela vivant. Amen. Mais cela ne s'accomplissait pas parce que ce n'était pas la personne sur qui sa parole avait été prononcée. Amen. Qui prenait ça. Amen. Chaque parole a un destinataire. Amen. 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 Quand la parole touche son destinataire, rien ne peut. Amen. La parole d'Esaïe avait un destinataire. Amen. On peut le lire, on peut l'enseigner. Ça rentre dans la tête des gens, mais il ne peut pas se conformer à ce programme. C'est un destinataire. Amen. 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 Quand Jésus est venu, alors tout ce qui le concernait, il pensait avoir cela. Des centaines d'années après David, voilà un prophète qu'on qualifie de fuyard. Et la parole a plusieurs applications. Le prophète prend cela et dit un homme qui fuit devant la face de l'Éternel. Mais c'est dans le contexte. Amen. Ce même prophète il vient, il dit Jonas était dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc tu as pris un côté seulement, tu te calais quelque part. Vous voyez? Parce que David, son père, avait déjà prophétisé. Donc il fallait que les conditions d'application soient quelque part. Amen. 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 J'ai parlé une fois ici de la loi et des décrets d'application. Amen. 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 Une loi sans décret ne peut pas être exécutée. C'est pourquoi aujourd'hui, sans le message, on ne peut pas vivre la parole. Amen. 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 Le message, c'est le décret d'application Amen. De la Bible. Amen. C'est pourquoi c'est l'interprétation. Amen. Le décret explicite la manière de faire la chose. Amen. Vous comprenez? Amen. Est-ce que c'est ici? Amen. Alors, le prophète dit ceci, ici, dans voyez, la prophète chère. D'abord, je vais lire le paragraphe 200 31 à 232. Après, je vais lire l'autre passage maintenant sur ce qu'il vient de dire. Le 246. Du regarder Dieu par son prophète Isaïe. Un homme qui avait ses hauts et ses bas comme vous, comme nous, qui commettait des erreurs comme nous, mais Dieu a rendu cet homme si obéissant en étant un prophète que ses paroles, les pensées de Dieu, alléluia, Amen. Les pensées de Dieu exprimées par les lèvres mortelles d'Isaïe, un homme qui avait des péchés et autres comme moi, avec des hauts et des bas, comme moi et comme vous. Mais ce vase abandonné à Dieu exprimait la pensée. Amen. La pensée de Dieu, pas des paroles. Amen.
Et peu importe ce qu'elle était, les paroles d'Esaïe devaient s'accomplir. Amen. Car elles étaient la pensée de Dieu exprimée par Esaïe. Il dit, voilà, alléluia. Oh Dieu, sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh là là. Quand ce monde ne sera plus, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Amen. 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 Et laissez-moi vous dire, la parole prononcée par Dieu, vous savez, aucun d'entre nous ici n'a la parole écrite par Dieu lui-même comme ça. Cette Bible qu'on appelle la parole de Dieu, ça a été écrit par des êtres humains. Amen. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La loi que Dieu a écrite sur ses mains, cette loi a été brisée. Amen. Amen. La loi que l'homme a pu supporter, c'est la loi écrite par l'homme lui-même. Oui. Alléluia. Sous l'inspiration de Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi l'homme est de l'argent de Dieu. Amen. Tu méprises l'homme, tu rates Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Il exprimait verbalement la pensée du Dieu Tout-Puissant. Et quand nous pouvons accepter cette parole par la foi, elle doit se concrétiser. Amen. C'est pourquoi faites attention. Ne dites pas que cette Bible-là est la Bible des hommes. Ne dites pas que ce message ici est le message de Branham. Amen. 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 Que on voit des choses à gauche, à droite, c'est le plan de Dieu. Amen. Amen. C'est le plan de Dieu. Amen. Quand on lit la Bible, on lit la Bible, il n'y a pas d'erreur. On prend la Bible, on va jusqu'à, on dit, David a commis erreur. À cause de ça, Dieu a dit, tu choisis. Voyez? Tu choisis en trois plaies. Amen. 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 L'ange apparaît à David sur le mont Horija. Amen. 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 David est un homme spirituel. Amen. Il n'était pas là au temps d'Abraham. Amen. 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 Il n'était pas là-bas. Mais quand il a vu l'ange apparaître là, il a payé ce terrain. Amen. Et c'est là que le temple a été bâti. Amen. Amen. Sur l'une des montagnes de Morija. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, on ne considère rien. Le seul fait que l'ange a paru là, il sait que là, là, il y a quelque chose. Amen. 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 Et quand nous pouvons accepter cette parole par la foi, c'est pourquoi, n'oubliez pas le titre, faire confiance à ce que disent les Écritures. Amen. Si on peut l'accepter par la foi, elle doit se concrétiser. Amen. Oh, comme cela excite mon cœur de penser que ta parole à jamais dans le ciel. Seigneur est confirmé. Amen. Ce que sont les pensées de Dieu, il les exprime par des paroles et ici dans la parole vivante de Dieu. Amen. 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 Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles. Amen. Amen.
et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Non pas celui qui va à l'église, ni celui qui met son nom dans le livre, ni celui qui professe, ni celui qui pousse des cris, ni celui qui guérit les malades, ni celui qui ouvre les yeux des aveugles, ni celui qui parle en langue, ni celui qui prophétise, mais celui qui écoute mes paroles. Amen. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient jamais en jugement. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. Amen. Oh frère, laissez cette foi s'ancrer une fois dans ce cœur, au point que ses paroles seront reconnues devant Dieu. Ensuite, les cieux et la terre trembleront et passeront. Mais la parole éternelle, cette pensée qui est dans votre cœur, qui est exprimée par Dieu, ne pourra pas plus faillir que les paroles d'Isaïe pouvaient faillir. Amen. Dites amen. 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 Alors, je viens à ce que j'avais dit. Amen. Amen. Paragraphe 243. Ce Jésus-Christ, l'Emmanuel, ici sur terre, avec toutes les écritures le concernant, quand il était ici sur terre, il savait qu'il allait ressusciter le troisième jour. Amen. Pourquoi? Amen. Il savait qu'il allait ressusciter le troisième jour. Et pourquoi? Parce que David, sous l'inspiration, avait dit: je ne livrerai pas son âme au séjour des morts et ne permettrai que mon bien-aimé voie la corruption. Amen. Frère Branham a frappé 6 fois sur le pupitre. Il avait dit: aussi mon cœur est dans l'allégresse et mon corps, voyez, était dans la joie. Amen. Quand Jésus, sous une seule parole, l'onction parle, prononcée par Dieu à travers un homme qui avait ses hauts et ses bas, David. David dit: je ne livrerai pas son âme au séjour des morts et ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Amen. Jésus a dit: démolissez cet homme. Amen. Alléluia. Et en 3 jours, je le relèverai. Alléluia. Amen. Il croyait à l'immortelle parole de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Amen. Peu importe. Amen. Parce que d'abord, il sait que s'il est le destinataire de cette parole. Amen. Il est le destinataire de cette parole. Cette parole s'adresse à lui, le Messie. Amen. Et il sait qu'il est le Messie. Amen. Et il vient pour payer un prix. Amen. Il vient pour mourir. Amen. Le problème n'est pas de mourir. Non. Adam est mort. Amen. Il ne pouvait pas ressusciter. Amen. 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 Tous les autres sont morts. Il ne pouvait pas non plus. Mais le problème s'était réglé. Le problème de la mort et de revenir à la vie pour qu'il y ait la continuité des Écritures. Amen. Alors Dieu sait ça. Donc il a placé cela dans une chanson. Alléluia. Amen. Amen. Le lutte, quelque part sur la montagne, David chantait sous inspiration. Amen. Dieu l'a délivré. Amen. De ses ennemis, de ses conspirateurs. Amen. Alors les esprits satanés qui sont là, il pense qu'il parle de Saül, il parle de celui-ci, il parle des Philistins, il ne parlait pas des Philistins, mais il parlait du patron des Philistins. Amen. Le diable, dont les chaînes sont brisées. Amen.
tu ne laisseras pas mon âme au séjour des morts. Amen. Amen. Tu ne permettras pas que mon sein voie la corruption. Amen. Il prophétise sur l'âme, il prophétise sur le corps physique. Amen. Amen. Le corps physique ne sera pas dérangé. Amen. Il ressortira. Amen. Jésus a vu ça. Alors, il a tressailli. Amen. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Amen. Et apôtre, tout le monde avait compris. Amen. 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 Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Voyez. Quand Jésus, sous une seule parole, l'onction, parle, prononcée par Dieu à travers un homme qui avait ses hauts et ses bas, David. David dit, je ne livrerai pas son âme au séjour des morts et ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Amen. Jésus a dit, démolissez ce temple et en 3 jours, je le livrerai. Alléluia. Amen. Il croyait à l'immortel parole de Dieu. Oui, monsieur. Amen. Peu importe. Vous dites, n'est-ce pas ce qu'il a dit? Vous savez, il est mort le vendredi, puis il est ressuscité. Qu'est-ce que c'est que 3 jours? Ces 3 jours, je ne savais que la corruption du corps s'installe dans les 72 heures. Il savait qu'entre ces 3 jours, entre ça, Dieu allait ressusciter ce corps. Ce corps. Amen. Parce que David, sous l'inspiration, avait dit qui le ressusciterait. Amen. Une seule écriture de la Bible. Il affronta la mort comme un héros. Amen. Sachant que Dieu allait tenir sa parole. Amen. Ce que Dieu avait d'abord pensé et ensuite exprimé. Amen. 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 Par un homme qui physiquement a tué et a commis adultère. Maintenant. Tu as regardé à ça, tu es crié dans le tableau. Amen. Amen. Vous regardez à un prédicateur comme un homme normal, simple, vous êtes crié dans le tableau. Amen. Parce que vous devez accumuler ce qui est dit. Amen. Et ce que Dieu fait dans votre vie. Amen. Vous avez dit vos expériences. Amen. Amen. Ce que vous entendez, c'est la parole. Amen. L'espérance, c'est ce que vous voyez. Amen. Vous vivez ça. Amen. Ça doit s'ajouter, ça se mélange. Amen. Je dis, emmagasinez cela en vous. Amen. Ça vous envoie quelque part. Amen. Ça crée une force surnaturelle. Amen. Amen. Faites confiance à ce que les Écritures disent. Amen. 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 Sinon, on n'arrivera à rien. On tourne en rond. On n'avance pas. Alléluia. C'est pas normal. On a un message. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont dites à nos sujets. Amen. 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 On doit être enfermé dans la foi de l'un. Amen. Bref, le message du soir doit produire les résultats du soir. Amen. 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 Donc, il faut interroger les résultats du soir, c'est quoi? Les résultats du soir, c'est quoi? On a reçu les prémices de ces résultats. Amen. Donc, tout le reste va produire les mêmes résultats. Amen. 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 N'oubliez pas que les mots du soir, c'est une double portion. Amen. Amen. Donc, quand on parle de Pâques là, on parle là de la résurrection. C'est pas ça? Mais la résurrection en vue de quoi? Amen.
Dieu redonne la vie. Pourquoi? Pourquoi Jésus devait-il ressusciter? Pourquoi? Pour montrer que, comment dirais-je, c'est, la mort est vaincue. C'est pas ça seulement. Amen, amen, amen. 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 Quand on parle de résultats, il faut voir Jésus vient. Pourquoi il vient? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Fais confiance. Frère, chacun de nous, on doit nous l'amour. Amen. Je n'ai pas encore fait ce que je dois faire. Amen. Dieu ne confie pas. Ne soit un homme pour le bon plaisir. Il s'attend des résultats. Amen. Moi-même, je sais que je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver. Amen. Et je me rappelle cette prophétie qui m'a été adressée avant que je sois pasteur. Amen. Quand la vieille soeur, pour la première fois, a prophétisé. Avant cette vision, son vision, son ménage, elle a prophétisé. Amen. Amen. C'est là aussi que j'ai vu que mon autre beauté, Dieu connaît ça. Amen. Non. Elle n'a pas de Marcelin. Amen. Quoi? Non. Mais Timothée. Lève-toi. Secoue-toi. Amen. Je vois que je dois retourner à ma commission. Amen. Amen. Je dois retourner à ma commission. Amen. Amen. Car le combat qui est devant est plus grand, est plus dur que ce qui est déjà passé. Amen. Amen. Vous dites que quand vous allez empirer mon serviteur, c'est là que vous allez commencer. Mais moi, j'ai déjà commencé. Amen. Lève-toi. Amen. Je suis assis. Secoue-toi. Je crois que l'heure est venue pour moi de me secouer. Amen. Amen. J'ai trop dormi. Amen. C'est vrai que je réfléchissais. Mais c'est quel combat qui est plus dur que les 30 années du ministère de Dôme? Amen. Donc ce que j'ai dit, je parle pour moi-même. Amen. Quand j'ai vu le prophète, quand j'ai vu la commission de l'ange, il s'est attelé à ça. Des milliers de personnes qui, dans le monde entier, cherchaient la délivrance. Il ne peut pas être dans tous les hameaux. Dieu lui a inspiré cela. Amen. Il va payer des centaines et des centaines de rouleaux. Amen. Amen. Le Seigneur, matin, révérend Branham, tu es devenu couturier. Amen, amen, amen. Des centaines et des centaines de rouleaux blancs. Amen, amen. Il achète tous ses rouleaux. Amen. Il dit s'ils sont quelque part. Ils s'en vont quelque part. Et il prie, il prie, il prie. Amen. Et il découpe tout cela. Amen. Et son équipe se charge de les dispatcher dans le monde entier. Et ça apporte les résultats. Amen. Ce que ça apporte. Amen.
Et lui, il a édité. Elle compte. Aujourd'hui, on résonne tout. Amen. Parce que quelqu'un te voit. Alléluia. Une bonne situation. Lève-toi à minuit, il faut prier. Il ne va pas respecter ça. Vous avez le résultat. Presse-le. Pourtant, nous avons montré à dans quelle période de la nuit les démons sont actifs. Il dit, à partir de 5 heures, il retourne. Le plus souvent, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à prier. Tu as l'oppression. On te de contrecarrer l'ennemi, là où il est actif, toi tu veux dormir. On ne va pas sur les instructions. Et voilà, un serviteur de Dieu, il va te conduire selon l'inspiration qu'il reçoit. Amen. Tiens, il faut prier, il faut prier. Tu as fait une fois pour toi, il faut une fois. Amen. Suivez l'exemple que je vous fais. Même quand on dit des brochures, même ce linge, pour certaines personnes, ça, il dit même si ça, si ça, ça, ça te déchire, il faut toujours garder Amen. Ça. Amen. Mais ce linge, pour que ça se déchire, c'est que ça met du temps. Bravo. Amen. Tant que ça est là, parce que et il s'accroche à soi comme un absolu. Amen. Pourquoi? Parce que si tu es Seigneur. Amen. C'est une prière. Amen. Amen. Et ça, c'est écrit. La vie de Branham, c'est ainsi du Seigneur. Amen. Amen. Ta propre vie doit être ainsi du Seigneur. Parce que l'écriture, la parole faite chair, c'est ainsi du Seigneur. Amen. Commencez par toi avant ton rachat. Amen. Dieu vous a racheté. Amen. Jésus t'a racheté. Amen. Ce corps peut avoir des moments de faiblesse, mais ça ne peut pas te faire dévier. Amen. Et ce mot de faiblesse ne veut pas dire que tu n'es plus un racheté. Amen. Amen. Quand le rachat de l'âme est accompli, tu deviens un homme stable. Alléluia. Il est amené à ça. Amen. Ton adoration ne peut plus jeter. Tu commets une erreur, dis Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas l'intention. Amen. On ne commet pas volontairement une erreur. Amen. Une erreur, c'est une action spontanée, indépendante de la volonté. Amen. 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 On ne prémédite pas pour commettre l'erreur. Non. Amen. Une force peut te pousser à quelque chose. Il faut combattre cette force. Cette force. Amen. Dieu sera là pour t'aider. Amen. 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 Le juste homme cette fois, il se relève cette fois. Amen. C'est pas écrit pour rien. Amen. Amen. Tu seras assailli, mais Dieu te délivrera. Amen. 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 Ne pensez pas parce que tu crois, tu ne donneras pas de coup. Non. Tu ne sois pas de coup. Il y a des situations compliquées. Alors pourtant, Dieu t'a abandonné, ce n'est pas possible. Amen. Dieu ne fait pas ça. Amen. Mais tu es un fils pour commencer. Amen. Et un fils. Merci, si un fils n'est pas éprouvé, il ne peut pas être un fils. Amen. Amen. Peu importe qui tu es, les épreuves viendront. Amen. Dieu permet, Dieu lâche Satan, les loups derrière toi. Il faut que les chansons de David tout là pour toi. Amen. 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 Le taureau de Bazan.
Amen. Je vois des taureaux qui me poursuivent, je vois des chiens qui me poursuivent. C'est spirituel. Parce que c'est la sorcellerie. Mais ce sont les taureaux de base. Amen. Et il va te nuire. Mais il faut qu'il ait quelqu'un, un Samson, avec un coup de poing, pour les arrêter. S'il y a des taureaux de bazar, mais il y a une onction, quelque part, pour stopper ça. Dieu doit réveiller le héros qui dort. C'est un jeune qui ne peut pas briller. Ça vient de l'éternité. Ça vient de l'éternité. Amen. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Ce message que nous avons reçu, c'est pour nous ramener à la vraie puissance de Dieu. Amen. Voyez, quand on prend dans l'exposé des âges, ce qui est dit concernant ce ministère. De merveilleuses démonstrations de puissance seront manifestées sur l'ordre de sa foi. Ensuite, le message que Dieu lui a donné de la parole sera apporté pour ramener les gens à la vérité et à la véritable puissance de Dieu. Certains écouteront, d'autres pas. À la vérité et à la véritable puissance de Dieu. Amen. Dites-moi, et je sais que ce sera développé durant ce programme. C'est pourquoi je n'ai pas voulu rentrer dedans directement. Si le vrai message a été apporté, si la vérité de Dieu a été apportée dans ce âge, la vraie puissance de Dieu aussi est là. Amen. Amen. Parce que la puissance accompagne la vérité. Amen. Pour confirmer que c'est la vérité. Amen. Mais il y a une phrase. D'autres accepteront, d'autres croiront, d'autres ne croiront pas. Croire, c'est rendre vivante cette action spirituelle qui est dans le camp. Amen. Permettre à Dieu d'être rien de ta vie. Amen. Tu crois, tu rendras Dieu rien. Amen. Parce que la vraie puissance est là. C'est ta foi qui va faire ça en action. Si nous changeons nos manières de penser au sujet du message, c'est pourquoi n'écoutez pas ces oiseaux bavards. Amen. De grands serviteurs de Dieu dans les conventions, je ne parle pas des noirs, des blancs, qui nous ont fait voler ici depuis 90, qui aujourd'hui réunit. Je ne dis pas des noms. Des gens considérés comme des piliers. Leur papa, ou bien leur, je ne sais pas, on va chercher le prophète. On a de grands témoignages. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est que nous sommes dans ce terrain vraiment dangereux. Amen. Le message est vrai. Amen. Faites confiance à ce que disent les Écritures. Amen. Et aujourd'hui, il y a une Écriture qui nous concerne. Amen. Il y a les Écritures qui concernent l'épouse, qui nous identifie.
Lève-nous. Amen. Ne dormons plus. Amen. Amen. Voyez, il y a tellement de choses. Dans Israël, dans sa patrie, quand je viens parti, je vais m'arrêter, mais je vais lire ça quand même. De près de ceci, le message est prêt. Il y a suffisamment de puissance de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes ont peur d'entrer là dans ces sphères de la présence de Dieu pour oser mettre leur confiance en lui et accepter sa parole. Le message est prêt. Il y a suffisamment de puissance de Dieu. Il dit, les hommes et les femmes ont peur d'entrer dans ces sphères de la présence de Dieu pour oser mettre leur confiance en lui et accepter sa parole. Sur une seule écriture, Dieu lui a affronté la mort. Et il a confiance qu'il ne peut pas mourir. Amen. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Fils de l'homme également passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais il ressortira. Amen. Parce que celui qu'il a représenté n'est pas mort. Amen. 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 Or, toute la plénitude de la divinité était en Christ. Amen. Christ a affronté la mort. Amen. Il a été victorieux de la mort. Abraham dit que Jésus a été tenté même dans tous les domaines. Il dit même sexuellement, il a été tenté. Amen. C'est Abraham qui le dit. Amen. 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 Avant que la colonne de feu ne se disperse de chacun de nous, toute la colonne de feu a subi toutes les tentations. Amen. Dans un homme, corporellement, la plénitude est là. Amen. Amen. Si une seule écriture dit par un mortel, une vierge concevra, un ange a appuyé cela. Toi, Esaïe a dit quoi? N'oubliez pas, quand l'ange est venu là, ce n'est pas un être mystérieux, c'est un messager. C'est un homme. Amen. 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 Vous pensez que c'était un être mystérieux? Marie va fuir. Marie allait fuir. Mais Marie était enseignée que les anges les visitent depuis l'Ancien Testament. Amen. Amen. J'ai donc parlé avec l'ange. Amen. Mais qui n'a pas le langage, il sait que c'est un homme. Mais Amen. Il a quelque chose de spécial. Amen. C'est pourquoi il éprouve pour voir la qualité de l'homme. C'est que Dieu confirmera toute la parole. Amen. Si ce temps ne peut pas confirmer les Écritures, c'est que ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu n'est pas avec lui. Amen. Tu as été enseigné. C'est une conversation. Amen. Marie, elle a été surprise. Amen. Mais il est sorti d'où? Et puis il est venu ici. Il sait que je suis fiancé. Si on le voit comme ça, ce n'est pas bon. Dit Marie, reste tranquille. Je vais vous donner, je lui dis que j'ai un message pour toi. Amen. Dis en bon. Amen. Dis, je souviens tout ce que Esaïe a dit. Amen. Ce qui est enseigné dans ce qu'il y a de synagogue. Il dit si, concernant le Messie. Il dit si, comment ça va venir? Marie Vierge. Amen. Ah, tu souviens de ça? Alors, je viens te dire que c'est toi qui es concerné. Alléluia.
Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est que tu accomplisses maintenant. Amen. Oh. Parmi toutes les femmes vierges d'Israël, ici, tu as trouvé grâce. Amen. Parce que cette écriture, c'est de toi qu'il s'agit. Amen. Amen. Mais comment ça s'est passé? Reste tranquille. C'est de Dieu ce que ça vient. Amen. L'humain crée les conditions. Alléluia. Donc je viendrai sur toi. Amen. Parce que c'est toi de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Et qu'il me soit fait ainsi. Amen. Depuis là, j'ai disparu. Amen. Ce n'est pas un songe. Amen. Vous voyez? Et parfois, quand un prédicateur peut prêcher, quand tu as écouté la bande, tu as écouté la brochure, je suis frère ton cœur. Amen. Amen. Ça, c'est pour toi. Amen. Donc, ça, la parole devient personnifiée. Amen. 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 Je dis, quand tu as cette relation directe, que c'est toi, Amen. Ça ne peut pas faillir. Amen. 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 Tu peux être malade. Amen. On peut prier pour toi. Ça passe toujours, ça passe toujours. Mais est-ce que je te frappe? Oui. Lors d'une prédication, lors d'écoute de banque, ou bien tu es là dans ta chambre en train de prier. Amen. Et puis, quelque chose, ça s'est saisi. C'est-à-dire une onction spéciale, quand ça parle de toi. Amen. Et cette situation sera changée aujourd'hui. Amen. 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 C'est pas toi. C'est-à-dire quelque chose en toi, ça part Amen. De la promesse. Là, ça sera réglé. Amen. C'est comme ça qu'on devait marcher. Amen. Quand ça va qu'on ne cherche pas c'est quoi de quelqu'un. Amen. L'ange avec vous. Amen. À un moment donné, il sera visible. Amen. Amen. Il vivifie une écriture dans votre cœur. Amen. Il pour votre entendement spirituel, tu fais quelque chose. Amen. Ça fait rien pour toi. Amen. Après ce moment-là, c'est terminé. Amen. Cette écriture devient ta possession. Amen. On va monter, on va descendre, la chose t'appartient. Amen. Peu importe la pleure de la chose, Amen. Ça t'appartient. Amen. Les écritures sont réelles. Amen. C'est comme des danses de mélodie. Amen. Ça danse, mais il y a quelque chose qui va t'accrocher. Amen. C'est pas tout ce qui se passe là, mais quelque chose va t'accrocher. Amen. C'est comme tu vois une écriture, moi ça lui est réel. Le son est encore plus distinct pour toi. Amen. Tu penses à suivre le mouvement. Amen. Ça est encore plus réel pour toi. Amen. Toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère, ce soir, le dernier parti. Amen. Ce qui était sur mon cœur. Nous sommes tous appelés de Dieu. Amen. Nous avons tous un talent que Dieu a placé dans nous. On doit prendre conscience qu'on doit travailler sur nous. Pour que ça soit une blessure pour mon frère. Amen. Si je me mets à me consacrer, je me mets à prier, Dieu va utiliser ce qui est là. Amen. Ça va aider mon frère. Amen. Tu peux avoir un nombre de talents, de prophéties. Si tu ne pries pas, tu ne consacres pas, ça va embrouiller les gens. Amen. Mais quand tu te consacres, Dieu va parler par toi. Amen. Ça va m'enlever la crainte. Si quelqu'un vit mal, c'est ainsi dit le Seigneur, bien distinct. Toi, ça fait telle chose, réponds-toi. Tu le monde a la crainte. C'est quand chacun individuellement va prendre conscience. Et va dans une profonde sincérité. Alors rien ne pourra alors nous résister. Amen. Parce que nous sommes dans la même position que Branham. Amen. Nous êtes des messagers de ce même message. Amen. C'est pas, on ne vient pas à réveil. C'est pas, on ne va pas devant là-bas. Mais toi-même, il faut que tu sois mouillé. Amen. Rentre dans l'eau. Alléluia. Rentre dans l'eau. Sois imbibé. Sois trempé. Amen. La Bible, nous sommes des épîtres. C'est pas vrai? Amen. Nous sommes des épîtres. Est-ce que tu as réfléchi à ça, frère? Alléluia.
Donc, ça veut dire quoi? On doit être identifié par une écriture ou par des écritures. Amen. Amen. Si nous formons la Bible, chacun doit trouver sa place dedans. Alléluia. Chacun doit avoir sa position dedans. Amen. Qui va faire briller cette écriture dans ce temps-là. Amen. Pour éclairer. Amen. Quand tu trouves ça, c'est quoi il y a le placement? Dans le corps. Amen. On a des écritures. Amen. Qui soit des épîtres. Amen. Tu as une écriture. Amen. Jésus a trouvé son écriture. Son éducation dans l'écriture. Et tout ce qui le connaissait, le concernait. Quand il voit, il sait que ça, c'est, ça me concerne. Dans les différentes phases de son ministère, il sait que ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Amen. Identifie-toi. Amen. Et puis regarde les œuvres que tu fais. Amen. On va se lever. Le Père de la partie. Devenons sérieux maintenant. En fait, nous devenons sérieux. Quand on sera sérieux, les démons vont sortir sur. Amen. Quand on sera sérieux, il suffit qu'un seul quartier soit entendu. Vous allez voir le mouvement de l'esprit. Quand on sera sérieux, partout où nous serons, notre atmosphère va déranger les gens. Amen. Donc on s'oublie. Que nous oublions que nous sommes dans les dents de Satan. N'oublions pas cela. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la lumière s'est levée. On va prier le Seigneur. On va rentrer en nous. Prenons-nous au sérieux. Je dois me prendre le Seigneur. Je dis ce matin, ce soir, je prêche à moi-même. C'est moi qui dois me secouer. C'est moi qui dois me secouer. Je ne vais pas minimiser le combat. Qui ne voit pas devant. Celui qui voit devant, il a déjà parlé. Il a mis les mains dans ta main. Ce n'est pas pour dormir. C'est trop de... Amen. Je ne vais pas demain, je peux me couper moi-même. Je vais être au front maintenant. Comment les gens nous prennent au sérieux? Sur nous, on est léger. Yeah. Oh.
fast and say, Oui.
voulez mettre quelque chose en place, pire. Avec la douleur plus élevée. C'est Dieu qui parle à ton cœur. C'est Dieu qui veut te faire sortir de ton train-train. Il veut te parler. Il veut converser avec toi. Il veut que tu lui donnes le temps. Jésus. Il veut t'orienter dans la vie.
Sincère. Ce n'est pas avec un homme que tu traites. Tu traites avec celui qui t'a fait, celui qui t'a appelé. Et il sait à quoi il t'a appelé. Alors qu'on soit en sa présence. Considération pour les Écritures. Une seule Écriture peut apporter la délivrance pour toujours, la guérison, la paix, le bien-être. Ce que Dieu fait dans notre vie, ayons de la considération pour cela. Pourquoi il a fait ça dans ma vie et pas chez quelqu'un d'autre?